Le départ normal de Montreuil a été sonné pour un feu avec comme seule information situé au 9e étage à Bagnolet. Donc il s'agit pour nous d'un ensemble d'immeubles avec des accès compliqués et la présence d'un immeuble de grande hauteur. Donc déjà au départ on ne sait pas dans quel immeuble le feu se situe. Arrivé le premier secours, on me rend compte qu'il a trois fenêtres allumées au 9e et dernier étage d'un immeuble. Donc on sait tout de suite qu'il ne s'agit pas de l'immeuble de grande hauteur. Il établit une lance sur colonne sèche et il est confronté à une difficulté qui est la présence de portes blindées. Heureusement, on a un camion de désincarcération au départ, donc on utilise sa disqueuse pour pouvoir ouvrir la porte. L'appartement a été, qui fait 80 mètres carrés environ, a été évacué avant notre arrivée. Il y avait une quinzaine de personnes à l'intérieur. Il y en a 6 qui ont été intoxiqués par les fumées. Donc rapidement, avec les engins qu'on avait au départ, il y a un poste médical avancé qui a été activé et les victimes ont été bien prises en charge.